Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un Tabata. J'avais envie de vous proposer quelque chose de plus intensif que le yoga et le pilates. Et c'est un bon complément à l'exercice physique qu'on peut organiser chez soi. C'est facile, pas de matériel prévu pour aujourd'hui. Donc il vous suffit d'un peu d'espace. Je dirais 3 mètres carrés devraient suffire. Si vous avez un tapis, c'est bien. Si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave. On va partir sur un petit module de 4 minutes que l'on va répéter ensemble deux fois et que vous pourrez répéter chez vous autant de fois que vous le voulez. Tabata, je vous le rappelle, c'est un temps de travail très court mais très intensif. On travaillera 20 secondes, vous vous reposerez 10 secondes et on va enchaîner comme ça. Pour 8 exercices. Le premier exercice, ce sera les jumping jacks. Donc en même temps que vous écartez les jambes, vous montez les bras. Voilà, il faut en faire le plus possible en 20 secondes. Le deuxième exercice, ça sera un exercice de montée de genoux, comme si on court sur place. On monte les genoux et on active les bras en respectant l'opposé. Simplement ça, le plus vite possible. Le troisième exercice, ça sera les pompes. Vos pompes, vous les faites soit sur les pieds et les mains, soit sur les genoux pour pouvoir enchaîner les 20 secondes. Vous pouvez très bien démarrer sur pieds et mains et quand ça devient trop dur, plutôt que d'arrêter avant les 20 secondes, vous repassez sur les genoux, vous terminez votre série. Après les pompes, on a une série d'abdos. On fera des abdos assez simples. Vous êtes sur le dos, on va lever les deux jambes. Les mains derrière la tête et on va simplement venir décoller le haut du buste. Bon, libre à vous d'adapter les exercices évidemment en fonction de ce que vous voulez faire, de votre état de forme et puis éventuellement des contre-indications. Après les abdos, on aura une planche statique. On va la faire comme ça, sur les coudes. Après la planche, vous aurez un exercice de fente. Où on part vers l'avant, on abaisse le genou arrière pour ne pas laisser le genou avant avancer et on revient en arrière. D'accord? C'est la jambe, on vient vers l'avant pour prendre la fente et on change sur le retour. On peut le sauter si vous êtes à l'aise et très en forme. Après les fentes, c'est l'exercice du climber, donc on est en planche statique sur les mains et il va s'agir dos droit. De venir monter le genou sur la poitrine le plus vite possible sans déformer le dos, surtout sans s'arrondir, sans creuser le dos, c'est le plus important. Et puis on terminera par un petit exo d'abdos qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je vous montre. Vous êtes sur le dos, comme tout à l'heure. Vous allez monter les épaules et ensuite ce qu'on va simplement faire, c'est laisser les jambes tourner ensemble, à gauche, à droite. Vous pouvez garder les mains comme ça. On va simplement être dans cet exercice-là, un peu comme si vous étiez au ski et que vous alliez tourner à droite, à gauche, ski parallèle. Voilà. Pour le Tabata, quel que soit l'exercice que vous ferez, prenez soin vraiment toujours d'avoir une tenue parfaite de votre corps, donc un bon maintien, un bon gainage. Le centrage, c'est les contractions du périnée, des transverses qui vous assurent une ceinture naturelle que vous devez activer tout le temps, quelle que soit l'activité que vous faites. Et c'est toujours cette volonté de vous auto-grandir dans tous les exercices. Je vous souhaite bon courage, je me souhaite bon courage. Et j'espère arriver au bout. Je vous dis au revoir tout de suite parce que je pense qu'après je ne pourrai plus parler. Voilà. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. On démarre avec le jumping jack. Allez, c'est parti. On y va. Montée de genoux, c'est parti.
est sur les pompes, en place. Moi je l'ai fait à genoux, parce que Vincent je ne le tiens pas. Avant d'enchaîner le deuxième bloc de 8 minutes, on va faire les mêmes exercices, de 4 minutes pardon, on fera les mêmes exercices, mais je vous proposerai éventuellement une petite variante si vous voulez les rendre un peu plus intensifs. Voilà. Et bien c'est parti, on va redémarrer avec les jumping jacks qui sont le premier exercice. Here we go with 5. Allez, c'est parti. Deuxième bloc. 3, 2, 1, go! À genoux sur
vous sauter. 4, 3, 2, 1, go! Les exercices, soit par exemple les pompes, pompes main serrée, soit faire avec une jambe levée, vous pouvez faire varier aussi la planche, la position de la planche avec ou pas suppression d'un appui, etc. On y va. On reprend les jumping jacks. Allez. Climber.
Faire 4 ou 6, c'est comme vous voulez, vous pouvez les enchaîner par 2, c'est-à-dire faire 8 minutes, faire 2 minutes de pause et enchaîner 8 minutes encore. Ça c'est vous qui voyez en fonction de votre état de forme notamment. Et puis évidemment les exercices, vous pouvez les faire évoluer. Voilà, je vous remercie, c'était un bon moment, je vous retrouve bientôt pour un autre Tabata. Merci.